Les travailleurs domestiques ont tout un régime qui régit leur activité. Donc, c'est des travailleurs comme tout le reste des autres travailleurs, dans le sens de la législation, bien sûr. Parce qu'ils sont des travailleurs comme les autres, les employés des maisons doivent aussi bénéficier de la pension retraite et autres allocations familiales. Les femmes et les filles sont les plus exposées aux multiples violations de droits. Heureusement que le gouvernement veille. Nous sommes résolument engagés à lutter contre les violences faites aux femmes. Les témoignages que vous avez relevés montrent très bien que ces femmes et ces filles sont victimes de violences dans leur lieu de travail. Il est donc question de sensibiliser non seulement les employeurs, mais également les victimes elles-mêmes. La Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, ne fait aucune discrimination. Et qu'est-ce qui est prévu pour ces belles dames au service des ménages? Comme tous les autres travailleurs, si elle a eu à exercer pendant 15 ans, elle aura droit à sa pension dès l'âge de 60 ans. Si elle n'avait pas déjà totalisé le minimum requis à 60 ans, elle aura droit à une allocation de vieillesse, comme tous les autres travailleurs. Les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes battent son plein à Yaoundé. Occasion pour les leaders de la société civile de sensibiliser sur l'importance de la prévoyance en milieu social. Affilier fait partie aussi de reconnaître les droits de la femme travailleuse domestique et préparer son avenir. Parce que dans les domiciles, on a même souvent des accidents domestiques qui arrivent lorsque la ménagère travaille. Elle peut glisser et se faire mal. Elle peut même arriver jusqu'à mourir. Donc quand elles sont affiliées, elles peuvent aussi prendre la petite pension. Le gouvernement camerounais envisage la répression contre les travailleurs domestiques indélicats à travers la CNPS.